Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Adopt Passion Realize Dream, un jeu similaire à du My Summer Car et du Mont Bazou, tout simplement. Donc pour la petite histoire, notre père est décédé, nous a donc légué cette magnifique roulotte, si je peux dire, avec un petit peu de nourriture. Donc nous, on va devoir travailler pour subvenir aux besoins de notre personnage. Comme vous pouvez voir, on a une barre de faim, de soif, d'urine et de propreté, donc charisme, c'est la propreté. Voilà. Dans le jeu, vous allez avoir plusieurs choix avec des PNJ et ils vont influencer sur la suite de l'aventure, on va dire tout simplement. Donc par exemple, j'ai un exemple tout bête, c'est que si vous choisissez votre vie, on va dire légalement, donc vous pouvez faire des petits jobs, gagner de l'argent et puis subvenir aux besoins de votre personnage. Sinon, vous pouvez choisir d'être un petit peu plus un voyou, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire participer à des courses de nuit avec votre véhicule, l'équiper et affronter la loi, tout simplement. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Donc les amis, on est dans notre petite roulotte, on a des petites céréales, on a un petit frigo avec de la nourriture, donc là un petit peu de lait, juste au-dessus un steak à faire chauffer dans la petite poêle qui est juste ici. Voilà, on a bien sûr un petit lit pour sauvegarder et pour dormir. Et là, on a un petit peu d'argent que je vais récupérer. Boum, 526, ça c'est parfait. Donc pour l'instant, on va pas faire grand-chose parce qu'il fait nuit, mais à savoir que les PNJ apparaissent, enfin il y a des PNJ différents selon les heures. Là, il y a un mec hyper chelou qui danse et qui veut de la bière. Vous allez voir tout de suite. Salut mec, comment tu vas, la forme? Voilà. Peux-tu m'aider? Donne-moi de la bière. Donc on lui donnera quand on en aura, tout simplement. Donc il écoute quoi comme musique? Ok. On a un autre PNJ juste à côté qui nous dit un petit peu quoi faire. Donc il y a plusieurs boulots enfin dans le jeu, il y a plusieurs boulots. Donc vous pouvez être faire ailleurs, vous pouvez travailler, c'est-à-dire dans un. On va appeler ça sur un chantier, voilà, vous allez devoir faire des petites bétonnières de béton pour gagner un petit peu d'argent. Ou il y a encore un autre mec qui vous a besoin pour faire des jantes, donc équiper des pneus sur des jantes, voilà. Et vous gagnez aussi de l'argent. Donc il y a deux, trois petits jobs comme ça. Donc là, ce qu'on va tout de suite faire, c'est déjà faire un tour aux toilettes, vite fait, bien fait. Voilà, il suffit de se mettre devant. Et on urine, on tire la chasse d'eau. Et on va prendre une toute petite douche, hein, tant qu'on y est. Donc vous avez vu, la barre de charisme augmente. Moi, je prends ma douche tranquillement. Donc dans le jeu, c'est très compliqué dans le sens où il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout. C'est vous qui découvrez tout seul. Voilà. C'est ce que d'ailleurs j'ai fait. J'ai joué à peu près 4 heures de mon côté pour découvrir le peu que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être aller dormir, les amis. Alors j'ai aussi un message sur le répondeur. Voilà, en gros, c'est un ami d'enfance qui aimerait nous voir. À savoir que si vous acceptez de voir cette personne qui est disponible à partir de 17 h, c'est là le déroulement de votre vie. C'est-à-dire si vous voyez cette personne, il va vous donner une voiture. Et vous allez pouvoir commencer à l'équiper et faire des courses illégales. Mais si vous ignorez ce message-là, vous ne le verrez plus et votre vie sera donc standard, hein, comme je vous l'ai dit, métro, boulot, dodo. Voilà. Mais moi, je vais choisir l'option un petit peu illégale, faire des courses, faire de la mécanique, ça va être beaucoup plus cool. Allez, moi, je vais dormir, comme ça, on sauvegarde et puis on sera donc au petit matin. Bonne nuit, les gars. Ok, les amis, c'est le petit matin. Donc, je vais essayer de vous expliquer, enfin, j'essaye du moins de vous expliquer au mieux ce qu'on peut faire dans le jeu. C'est assez compliqué. Donc là, pareil, je peux prendre, pardon, mes détritus et les mettre à la poubelle, même si je crois qu'il n'y a pas de réel impact. Mais bon, voilà, on les met dedans parce que nous sommes des gens propres. Parfait. Donc on a le. Ben, si vous appuyez sur échappe, on a un petit peu d'aide pour nous parler des contrôles, comment que ça fonctionne. Tout simplement, vous payez votre loyer juste à l'arrière du bâtiment. Donc là, je leur dois 125. C'est parti, c'est payé. Là, je dois plus rien, donc je devrais à nouveau payer demain. Si je dis pas de bêtises. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que bah, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Je suis à pied, hein, forcément. Donc on va essayer de marcher jusqu'aux boutiques. Comme ça, je vous montre un petit peu les boutiques qu'il y a. Même si je ne pourrais pas vous montrer toutes les boutiques du jeu aujourd'hui, parce que c'est un petit peu long. Et je vous ai dit, j'ai envie d'essayer de récupérer un véhicule. Donc le développeur m'a dit que ces véhicules-là, apparemment, on peut les récupérer par la suite. Il y aura un système de quête pour les récupérer et les retaper. Pour l'instant, je n'ai pas d'interaction avec ce véhicule-là, mais par la suite, je vais pouvoir le récupérer. Il y a plusieurs véhicules dans le jeu, des vélos, comme on peut le voir ici, des motos, je crois, et des voitures. Voilà. On a du scrap metal donc, pour faire le métier de ferrailleur, comme je vous l'ai dit avant. Là, j'ai vu qu'il y a encore une autre voiture ici. Le soir, il y a un mec super chelou qui veut que je lui livre un colis et que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais encore une fois, c'est pour le boulot illégal, c'est pour ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des choses un petit peu illégales. Et puis, il y a d'autres choses beaucoup plus légales. C'est vous qui choisissez donc votre vie. Le développeur m'a aussi dit qu'il va ajouter donc le. Enfin, un petit peu plus de son normalement, parce que là vous entendez, il n'y a vraiment rien. Ça fait vraiment vide. Il y aura normalement un petit peu de trafic, un petit peu de son ambiant. Ça sera beaucoup plus cool. Donc là, on a l'impression d'être un peu sur une bêta, hein, pour tout vous dire. Mais bon, le développeur a l'air d'être à l'écoute
et de travailler sur des mises à jour, donc nous verrons bien comment que ça évolue. Donc je vais vous montrer 3 ou 4 petites boutiques aujourd'hui dans cette vidéo. Ensuite on ira récupérer un vieux véhicule, un vieux camion que j'ai repéré. Donc on achètera un bidon d'essence, on le mettra en route et on partira avec pour cet épisode de présentation. Donc comme je vous dis, j'essaie de faire ça au mieux. Donc ici on peut acheter un générateur, une petite laisse on dirait, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Peut-être pour nos futurs outils, je ne sais pas. Nous verrons bien. Donc en face, il y a un magasin de tuning. D'ailleurs, hein, regardez ce véhicule. Magnifique. Donc par la suite, vous pouvez avoir des véhicules comme celui-ci. La ruine qu'on a vue avant, ben, on va pouvoir la retaper comme celle-là, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ici, on a le premier magasin de pièces tuning. Bonjour monsieur. Donc c'est fait avec le moteur Unity. C'est pour ça que c'est pas très beau, mais bon, voilà, voilà. Bonjour mec, la forme. Yes, on veut plus de vitesse. Donc il y a plusieurs choses à acheter comme des rétros, petit embrayage, transmission, enfin boîte de vitesse. Donc là, c'est un petit peu buggé, mais ce n'est pas grave. Intake manifold, système pour les bougies, stock RAM. Là, je crois que c'est encore out of stock, ça va arriver par la suite. Exactement, pareil pour les pneus. Non, quoique. Non, ça va arriver par la suite, mais vous voyez qu'on a des pneus de drift. Donc ça va être intéressant. Ensuite ici, on peut acheter un petit béquet, spoiler, parfait. Oui, ça va être aussi, pour l'instant c'est out of stock, ça va arriver par la suite. On a un petit turbo, filtre à air, un petit, tout ce qui est petite tuyauterie. On peut acheter échappement, bougie, les sièges pour l'instant ils ne sont pas disponibles. On peut bien sûr changer les volants. Ok, barre anti-rapprochement, c'est pas mal. On a plusieurs types de moteurs, donc le 1 litre 2 à 1500. On a le 1 litre 5 à 2005, 1 litre 8 à 6000. Et là, du coup, il est à 2,4 litres, mais il est out of stock. Et celui-là, pareil. Donc, comme vous l'aurez compris, on va pouvoir équiper nos véhicules avec des moteurs beaucoup plus gros, avec des pièces performance. Ça, c'est vachement cool. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer l'autre boutique. Oh, il vient d'apparaître. Salut, mec, tu vas bien? Hey, man. Ah oui. Ah, oh, ça, c'est de la caisse. On dirait pas, il nous dit. Ah ouais. Donc là, vous avez vu, il nous donnera des thunes, en gros, si on va faire la course avec lui la nuit. Et pour l'instant, nous, on n'a pas de véhicule. Ah ouais. Petite Audi TT, c'est ça? Eh ben, ça se fait plaisir, ça, non? Ça se fait plaisir, eh oui, il a raison. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste aller en face. Il y a encore une autre boutique avec des outils que je voulais vous montrer, parce qu'il va falloir des outils pour démonter votre véhicule. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller à 17h voir notre ami pour essayer de récupérer le véhicule. Alors, je vais un petit peu me dépêcher, là, parce que l'heure, elle tourne, il est déjà 12h30, et du coup, j'aimerais récupérer mon premier véhicule avec vous dans cette vidéo, avec View. Allez, c'est parti. Salut mec, tu as bien la forme? Ils ont les têtes vraiment très bizarres, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Hein. Yes, allez mec. Donc là, tu vends une toolbox. Out of stock, ok. Tu vends une grinder, je pense que c'est pour enlever la rouille sur les véhicules. Pour l'instant, ça se situe out of stock. Il y a une petite crowbar, je ne sais pas à quoi elle sert, on découvrira ça certainement par la suite. Une clé à molette et un tournevis. Donc forcément, ça va être pour notre véhicule, hein, pour l'équiper. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est acheter de l'essence, du diesel, aller voir le vieux camion abandonné que j'aimerais récupérer avec vous aujourd'hui pour au moins être mobile, puis devoir marcher. Donc là, on peut acheter quoi? De l'huile, je crois. Oui, de l'huile. Diesel 10 litres, des petites barres en croix. On a ici de la boisson. Parfait. En parlant de boisson, voilà, hop. On va boire un petit coup, ça ira mieux. Parfait. Donc il y a aussi une autre boutique beaucoup plus loin où vous pouvez acheter de la nourriture pour votre personnage, forcément. Et là, je vais acheter du diesel. Ça coûte combien? 70 balles? Arrête, les 20 litres! J'achète. Pas trop le choix, je vais en avoir besoin. Tac, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est aller récupérer... Alors attends, la porte. On va aller récupérer notre premier véhicule aujourd'hui, c'est-à-dire un camion, comme je vous l'ai dit. Donc il est par ici, je sais pas. Je pense que je vais vous montrer le chemin, histoire que si vous achetez le jeu par hasard, vous savez au moins comment... récupérer le premier camion. Donc il va nous servir à transporter tout ce qui est métal, hein, le scrap métal du coup, pour ramener à la casse et gagner un petit peu d'argent. Et bien sûr, hein, il y aura peut-être un épisode 2, on va commencer à travailler, comme ça je pourrais vous montrer les différents métiers du jeu, même si c'est pas extraordinaire, il y a quand même des métiers, donc c'est plutôt cool, hein, de vous les présenter. Alors honnêtement, le jeu pour l'instant, voilà, c'est pas folichon, vous allez me dire, voilà, c'est pas très beau, il n'y a pas de son, mais il a un potentiel énorme. Honnêtement, si le développeur s'attarde sur le jeu, il va être vraiment très très bon. Moi, j'aime bien les petits jeux comme ça. Moi, je vous ai dit, je suis pas le genre de mec qui regarde les graphismes. Moi, j'aime le contenu, tout simplement. Et là, je pense que ça va être très intéressant s'il continue à travailler sur son jeu, les amis. Honnêtement, ça va être pas mal. Donc, à savoir qu'il y a aussi des ours, hein, dans la forêt. Il faut faire attention, ils peuvent vous one-shot, pardon,
en une fois un coup de mouflette et c'est fini, vous n'êtes plus là. C'est pour ça qu'on va faire très attention. Et là, on va aller dans une vieille ferme abandonnée. Donc, pour récupérer le camion en question. Alors, logiquement, c'est par là. Hein. Attendez, je monte un peu plus haut pour être sûr de le voir. C'est des vieux bâtiments rouges. D'ailleurs, on va pouvoir acheter aussi. Alors, il y a aussi une autre maison à acheter dans le jeu. Je ne sais pas si on aura le temps de la voir aujourd'hui, peut-être. Une fois que j'ai le camion, je vous la montrerai. Il y a également une vieille Porsche qu'on va pouvoir retaper par la suite, que je vais aussi vous montrer. Une vieille rouille. Et encore une fois, les amis, je m'excuse si je parle dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc j'essaye de faire ça au mieux. Donc là, j'ai récupéré le diesel. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, je peux acheter le Fort Closure 75 000. Donc, ce bâtiment. Et je vous parle avant d'une barre à mine parce que regardez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire sauter ce cadenas. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être au prochain épisode, voir ce qu'il y a là-dedans, ça pourrait être fun. Donc, j'ai vu qu'il y a un vieux tracteur et on va sûrement pouvoir faire un petit peu de champ, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir et comprendre. On va dire ça comme ça. Donc, ici, ouverture. Alors, attends. Hop, ouverture des portes. Et là, regardez. On a donc ce vieux tracteur qui démarre, mais j'ai pas l'impression qu'il roule vu la gueule des roues, honnêtement, je ne sais pas. Et on a ce petit camion tout mignon. Regardez comment qu'il est sympa. Donc on va directement mettre de l'essence. Hein. Hop. Donc 2 litres. Je vais mettre 10 litres pour le moment. Comme ça on est tranquille, on va pouvoir partir avec. Et ça sera un peu plus rapide que de marcher, forcément. Voilà, je vais mettre ça à l'arrière. Tac. Donc ce petit camion va nous servir à faire des petits jobs, comme je vous l'ai dit, surtout pour le côté ferraille. Ça c'est plutôt cool. Hop. Donc j'ai vu qu'à la manette ça fonctionne partiellement, j'ai envie de dire, par exemple pour la conduite ça fonctionne, mais pour le reste ce n'est pas top. Donc maintenant on va démarrer la bête, ça va être un petit peu long parce que c'est un vieux truc. Très long, allez vas-y, ignition. Yes. Parfait, donc ensuite il faut cliquer sur le volant et à ce moment là vous pouvez donc rouler. Hein. Attendez, j'ai pas cliqué, tac, voilà, on est parti. Donc on sort de la ferme. Alors le problème c'est comme je vous l'ai dit, on n'a pas de carte, il faut vraiment se débrouiller. Et c'est ça que je trouve cool parce que ça rajoute un petit peu de défi pour être franc avec vous, c'est pas mal. On va essayer de rentrer très rapidement pour que je puisse récupérer mon premier véhicule. Parce qu'encore une fois la personne n'est que disponible à partir de 17h. Donc voilà, ça serait bien qu'on rentre assez rapidement si j'y arrive. Bon, pour être franc avec vous, le camion ne va pas très vite, on va pas se mentir. C'est vraiment un vieux truc, j'en suis sûr qu'on a 10 ou 15 km/h max. J'ai même l'impression qu'à pied on est plus rapide, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je sais que un peu plus loin il y a une maison abandonnée que je voulais vous montrer, que vous pouvez acheter, je crois que c'est sur cette route hein, de souvenirs. Et vous pouvez l'acheter, c'est là qu'il y a la fameuse Porsche rouillée que je vous ai parlé juste avant. Donc je crois que c'était par là. Et ensuite, juste par ici, voilà c'est exactement ça. Donc c'est une petite maison que vous pouvez vous acheter par la suite au lieu d'être dans la roulotte. C'est vous qui décidez. Alors je vais essayer de m'arrêter, hop. Well. Voilà, parfait. Donc elle coûte combien celle-là? Elle coûte 50 000. Par contre, je vais prendre cette petite box qui va nous servir à mettre des objets à l'intérieur vu que c'est gratuit, j'en profite. Voilà, il y aura un autre métier en tant que dépanneur qui va être activé par la suite. Là, il y a déjà le véhicule sur place, il faut trouver des pneus et ensuite vous pouvez le rouler. Mais le développeur m'a dit qu'il y aura un système de dépanneur, un nouveau métier. Donc là, regardez, c'est une maison donc à acheter. Et ici, il y a cette vieille caisse qu'on va pouvoir apparemment retaper par la suite. Donc là il me dit apparemment il est mort et tout ça, je sais plus trop de quoi ça parle parce que j'avais fait la traduction mais bon voilà. Donc là il vous demande ou de la faire démolir ou de la garder, moi je vais appuyer sur la touche 2 pour garder, voilà je garde ce véhicule. Et du coup par la suite certainement qu'on pourra l'équiper comme il m'a dit le développeur. Donc on peut voir que c'est une Porsche, il y a même écrit dessus, regardez. Siège, et là on voit les sièges, enfin les tapis pardon Porsche. Donc ça c'est cool, je vais essayer de rentrer rapidement parce qu'il est déjà 15h. Même si je laisse après le camion quelque part au cas où et je finis à pied parce que j'ai l'impression qu'on est plus rapide à pied qu'avec cette machine des enfers. Voilà. Alors à moins qu'on coupe à travers champs, je sais pas si ça va être possible. Ah, c'est pas évident. Il y a encore d'autres bâtiments que je vous ai dit qu'il faudra qu'on découvre ensemble. Aujourd'hui je vais pas pouvoir le faire sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, il y a d'autres bâtiments à découvrir aussi. Donc on va passer par là, comme ça on va passer devant la plage. Je sais pas si on va être à l'heure du coup, mais regardez, il y a encore des bâtiments là-haut. Il y a une plage où vous pouvez aller manger aussi. Voilà. Et il y a encore l'autre boutique de nourriture plus loin. Alors pour entrer, je vais peut-être passer par là. Je pense que c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de carte. Hein. Le développeur a vraiment voulu qu'on se débrouille de A à Z. Et honnêtement, je pense que c'est validé, j'ai envie de dire. Parce que c'est très compliqué, surtout au début du jeu. C'est pour ça que j'aimerais vous faire une toute petite série. Comme ça, ça vous fait en même temps office de tutoriel. Pour ceux qui sont perdus et qui achèteraient le jeu, par exemple. Parce que je vous avoue que mes deux premières heures, c'était l'enfer. Je faisais que de courir sur la carte, de mourir tout le temps, parce que je ne savais pas où aller. Et là, j'ai un petit peu compris les bases, donc ça devrait aller.
Enfin, je pense, dans l'épisode 2, vous allez voir qu'on va être beaucoup plus à l'aise. Et là, par contre, pour passer, je sais pas du tout parce que j'ai peur de tomber sur l'ours. Alors, je vais peut-être faire un détour du coup. Le problème, c'est que notre collègue là qu'on doit voir, il est là de 17h à 20h. Et là, regardez, il est déjà 16h16. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer. Vous savez quoi, je vais peut-être essayer de passer par là. On va essayer de couper. Si mon camion il monte, ce serait pas mal. Allez, mon gros, tu peux y arriver. Le truc, c'est qu'il faut juste que je vois la route et c'est bingo. Parce qu'après, j'arrive à me repérer à peu près. Là, pour l'instant, on ne voit rien. On voit la grande grue. Donc, c'est qu'on n'est pas très loin de la maison. Si je coupe comme ça, ça devrait le faire normalement. Je vois l'espèce de petit chantier. Donc, nous verrons bien épisode 2, les amis. Si vous en voulez, on va travailler pour gagner un peu d'argent. Et bien sûr, avoir les 1200 pour nous acheter un nouveau moteur. Parce que vous allez voir que la voiture qu'on va récupérer, le moteur est mort. Donc, il va falloir qu'on travaille un petit peu pour... pour la restaurer, tout simplement. Donc vous avez vu, on arrive près de la maison. Il va être 17h, c'est juste parfait. Ah là, je suis content. J'avais peur de me perdre, mais finalement, on y est là. Regardez, là, on voit tous les petits cabanons. Et là, il y a notre voiture qu'on va récupérer. Je ne vais pas vous la montrer pour pas vous spoil tout de suite, même si vous avez pu le voir en miniature. Quoique, je n'ai pas le choix, on va passer devant, donc voilà, pas le choix. Donc ça va être ce petit véhicule-là qu'on va récupérer, mais le moteur est mort. Donc forcément, elle ne va pas démarrer. Elle me fait penser à la voiture de Bimenge, les gars. C'est la même, non? Si je ne dis pas de bêtises, donc attendez, on va encore couper ici. L'avantage avec ce camion, c'est bien sûr, il n'avance pas, mais il ne consomme rien. Vous allez voir qu'avec tout le trajet qu'on a fait, on a peut-être bouffé un litre, et ça, c'est plutôt cool. Donc, il est 16h58, notre collègue va arriver juste ici. On va se mettre là. Voilà, on va s'arrêter. Hop, et on va aller voir notre ami. Donc là, regardez, il est en train de bricoler sa belle. Le mec, tu vas bien? Yes, donc il y a les courses de drague, oui. On va devoir swapper le moteur. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on discute un peu plus. Je vais devenir un bon conducteur. Ouais. Donc, vous voyez, il faut tout le temps y aller. Il faut toujours que vous insistiez jusqu'à qu'il vous donne les clés. S'il te plaît, mec. Allez. Yes. Donc, on veut. On lui dit qu'on est d'accord. Et du coup, on a les clés, les gars. Yes. Allez, good. Et tiens les clés. Donc désolé, hein, j'avais utilisé la traduction, donc j'arrive pas trop à vous dire ce qu'il vous dit, parce que je me souviens plus, mais en gros, voilà, il vous dit qu'il y a des courses de nuit, et que si nous on est intéressé d'aller dans ce monde, on va dire, de l'illégal, en gros, et ben voici les clés de mon véhicule, et tu pourras le retaper. Donc on va voir ensemble cette voiture, ensuite je vais m'arrêter, on va juste se faire un petit bol de céréales avant d'aller se coucher, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, je suis désolé hein, d'être parti dans tous les sens, mais vous avez vu, c'est un jeu un peu compliqué à expliquer. Voilà. Donc voici notre pétrolette, du coup on a les clés. Hop, on va se mettre à l'intérieur, regardez. Ça me fait vraiment penser à la voiture de Bimenge. Hein. C'est obligé que cette voiture-là. Donc maintenant j'ai les clés, ignition. Oh, et vous entendez ça? Écoutez. Allez. Elle veut pas démarrer. Oh non, elle veut pas du tout démarrer, mais vous allez comprendre pourquoi. Une dernière fois. J'ai rien à faire. Ok. Je sais pourquoi, moi j'avais déjà vu. D'ailleurs, vous avez pu voir la miniature. Regardez la gueule du moteur. Il est complètement rouillé, donc il va falloir qu'on le remplace. Donc il nous faut de l'outillage, donc la clé à molette tournevis pour démonter le moteur. Même si ça se démonte très facilement, mais il faut quand même le démonter, c'est cool. Ensuite, elle démarra parce que logiquement, on a de l'essence dedans. Exactement, on a 8 litres. Donc c'est un moteur essence. Hein. Donc pour l'instant, je pense qu'on démarra certainement avec un litre 2. Vous avez vu le petit à 1200 parce que je n'ai pas trop d'argent, j'ai que 329. Va falloir qu'on bosse dur pour pouvoir s'acheter un moteur, les gars, et pouvoir faire nos premières courses de nuit. J'ai vraiment hâte, hein. J'ai vraiment hâte. Donc, comme dit, si vous êtes intéressé pour un épisode 2, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire. Je crois que, même le coffre, on peut l'ouvrir pour stocker du matériel, c'est plutôt cool. Donc, encore une fois, c'est un jeu avec un très gros potentiel, les amis, mais faut peut-être attendre qu'il se développe un peu, je pense. Même si le développeur a plein d'idées, je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va faire. Et moi, je vous l'ai dit, graphiquement, il y a peut-être beaucoup qui vont critiquer. Mais moi, c'est pas pour les graphismes, encore une fois, c'est pour le contenu du jeu. Et honnêtement, ça a l'air fou. Parce que là, encore, je vous ai dit, d'autre côté, il y a encore une boutique à voir. Il y a encore un vendeur de vélos, je crois. Donc voilà, moi, j'ai choisi cette option pour démarrer tout de suite avec un camion et pouvoir travailler, forcément. Donc on va le mettre quand même, hop là, devant la porte, les amis. Comme ça, je vais après sauvegarder. Ignition. Donc n'oubliez pas que pour rouler ce camion, il faut cliquer sur le volant. J'arrive pas à mettre le... Voilà. Donc là, vous voyez, si je veux accélérer tout, ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer où il y a écrit « Well ». Et à ce moment-là, vous pouvez donc le conduire. Alors, comme je vous l'ai dit, la manette, ça fonctionne pour rouler. Mais c'est pas encore au point pour se déplacer et tout ça. Ça va être mis au moins au point, pardon, par la suite. On ne peut pas réinitialiser les touches, ni régler le volume, ni quoi que ce soit. Le menu est encore très, très pauvre pour le moment. Mais bon, nous verrons bien. Moi, attendez, hop.
faut d'abord cliquer oui, enlever le volant. Et ensuite, je peux me voir là. Donc, comme dit oui, pour l'instant, le contenu est assez pauvre, mais je trouve ça assez cool. Si vous voulez un épisode 2, les amis, dites-moi l'espace commentaire, c'est très très important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit bol de céréales, donc il faut réellement prendre le lait. Ça, c'est le développeur qui m'a dit, parce que j'en ai parlé, il m'a dit non, non, il faut prendre le lait, le mettre dans le bol. Enfin non, attendez. Ah, attendez, l'inverse, comme dans la vraie vie. D'abord, les céréales. Ça aussi, c'est vraiment un sujet... Alors, ça marche ou ça marche pas? Je sais pas comment qu'on fait, en fait. Céréales box. Faut peut-être vraiment mettre d'abord le lait. D'abord les céréales, c'est logique. Alors, attends, hop là. Ben, ça, c'est bien une assiette. Bon. D'accord, le développeur dit qu'il faut mettre le lait, céréales et tout dans le... D'accord, je vais pas appuyer sinon je vais boire, je vais le remettre au frigo du coup. Voilà. Ça aussi c'est toujours tout un débat. Bon moi je suis le genre à mettre d'abord les céréales, ensuite le lait, mais j'ai vu des débats de fous concernant le lait et les céréales, ça m'a toujours fait rire. Donc ce qu'on va faire c'est juste se faire un petit steak les amis. On va pas s'embêter, on le prend. Et donc si pareil, des fois il veut, des fois il veut pas. Voilà. Et là vous allez voir, par contre ça fait un bruit, moi j'ai peur qu'elle explose. Hein. Écoutez-moi ça. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a tout qui va me péter au visage. Alors pour boire, c'est très facile, c'est comme dans ma SMR car. Vous cliquez, vous restez devant, la barre de soif, elle augmente. Et puis vous êtes bien dans votre tête. Donc n'oubliez jamais qu'avant de faire quoi que ce soit comme travail, de prendre de la boisson avec. C'est pour ça qu'on va découvrir ensemble la boutique de nourriture. Prendre masse de bouffe avec pour être tranquille. Voilà, et là je vais pouvoir manger mon petit steak. Donc, par contre, ça m'a pas mis bien niveau santé et tout. Par contre, j'ai l'impression que j'ai perdu les bidons. Non, tout va bien. Donc, le diesel. Alors, en parlant de diesel, combien qu'il a consommé pardon, notre camion? Vous avez vu, 2 litres. Ça va, hein, je vais mettre le reste dedans, ça veut quoi? De toute façon, on n'a qu'un diesel. Autant en profiter. Ensuite, un petit tour aux toilettes, une petite sauvegarde. Et comme ça, la prochaine fois, on est parti pour redécouvrir ce jeu, les autres boutiques et bien sûr les jobs, si vous le souhaitez. Donc, je ne sais pas si je peux garder ça ou est-ce qu'on peut à nouveau le remplir. J'en ai pas la moindre idée. Et bien sûr, la petite box, ça vous permet de mettre des choses à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Donc pareil, je vais la garder aussi. Voilà les amis, donc on va s'arrêter là-dessus de mon côté. J'espère en tout cas que cette présentation vous a fait plaisir et que vous avez un petit peu compris le but du jeu. Il fait toujours peur quand il urine ou qu'il chie un coup, le mec, faut être franc. Il fait des bruits super bizarres, mais bon. Ça fait flipper. Donc voilà, j'espère que je vous ai expliqué à peu près ce jeu correctement, même si c'était très compliqué. Donc si vous êtes intéressé pour une suite, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire. Voilà, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, c'est très important. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour les aventures, les amis, portez-vous bien, et à plus. Allez, gros bisous, ciao, ciao!